nouveau Scénic vous offre une expérience de vie à bord unique et un grand confort d'utilisation. Sur le volant, vous disposez des commandes, de l'ordinateur de bord, du téléphone main libre et du limiteur régulateur de vitesse. Vous pouvez régler le volant en hauteur et en profondeur pour l'adapter à votre position de conduite. Lorsque vous démarrez, l'affichage tête haute se déploie. Une image couleur haute résolution vous donne les principales informations de conduite et de navigation. Simple et intuitif, vous restez attentif à votre conduite. Nouveau Scénic est le seul monospace compact à proposer une telle prestation. Sur l'écran multifonction, vous pouvez régler les paramètres de l'afficheur, la hauteur des informations et la luminosité. L'afficheur tête haute se rétracte à l'arrêt du moteur. Les sièges avant sont munis de commandes de réglage manuel. Certaines versions proposent un réglage électrique à 8 modes. Cette commande vous permet d'avancer ou de reculer l'assise, de la rehausser ou de la baisser. Le dossier est aussi réglable, inclinaison et lombaire. Vous pouvez ajuster la longueur de l'assise à vos jambes. Voici comment mémoriser votre position de conduite et le réglage de vos rétroviseurs extérieurs. Pour rappeler cette position, procédez ainsi. Les sièges de Nouveau Scénic sont chauffants. Appuyez une nouvelle fois pour baisser l'intensité du chauffage. Le passager avant bénéficie du même confort. Les sièges avant peuvent être massants. Sur l'écran multifonction, choisissez le type et l'intensité du massage. Pratique, ce siège peut se replier en position tablette. La fonction accès facile est disponible pour le conducteur comme pour le passager. Au démarrage du moteur, les sièges conducteur et passager retrouvent la dernière position mémorisée. De votre place, vous pouvez régler le siège passager. En coupant le moteur, le frein de parking assisté se serre automatiquement. Si vous vous arrêtez dans une côte, vous pouvez l'activer manuellement. Dès que vous accélérez, il se desserre automatiquement. Impossible de caler. Si vous vous arrêtez dans une côte, maintenez votre pied sur la pédale de frein. Au redémarrage, le système maintient votre véhicule pendant environ 2 secondes, le temps de retirer le pied du frein et d'accélérer. Avec les enfants, il vaut mieux parfois condamner l'élève vitre arrière. Vous pouvez condamner les portes arrière.